Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, en ce vendredi 5 novembre, on va tester la bêta, et oui parce que c'est la bêta de Call of Duty Vanguard. Et juste avant de faire cette petite bêta, je voudrais juste en profiter pour souhaiter un très joyeux anniversaire à un membre soutien de la chaîne, à savoir Explicit. Donc voilà, Explicit, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Pour info, Explicit est un pilote qui roule régulièrement avec nous, qui est extrêmement rapide. Donc voilà, déjà, bon anniversaire et en plus, tu es rapide donc en piste. Quand on joue sur GT Sport, donc bravo à toi, profite bien de ta journée. Bref, on revient sur le contenu du jour, à savoir Call of Duty Vanguard. Ce Call of Duty, il faut savoir que date à laquelle j'ai enregistré cette vidéo, la date de sortie du jeu définitif est prévue aujourd'hui même, à savoir le 5 novembre. On va tester la bêta, parce que la bêta, ça fait un petit moment que je l'ai. J'espère que les changements de programme d'Activision n'auront pas eu lieu et que le jeu est toujours programmé pour ceux qui sont fans. Et on va voir ce que ça va donner, donc on va regarder ensemble ce Call of, on va le tester. Vous savez que moi perso je ne suis pas un grand fan des Call of, le côté FPS, même si certains jeux m'ont un peu réconcilié, à savoir Deathloop par exemple m'a réconcilié avec certains FPS, mais pour le reste je ne suis pas fan du tout des FPS. Allez, on s'en fout. Alors périphérique, ah, choisissez la manette ou la souris. Bon à savoir, pour les gens, alors dans la bêta, je ne sais pas si dans le jeu définitif ce sera le cas, mais il est tout à fait possible de jouer avec, avec une souris si jamais on l'a sélectionné, puisqu'on la propose. C'est plutôt sympa, ça a moins le mérite d'être clair. Je ne vais pas toucher, on ne touche rien, on ne touche absolument rien, on verra en temps réel ce que ça bon, donne. Mise à jour ici, alors il faut savoir... Bon, désolé, hein, ça a une grosse coupure parce qu'il a fallu que je me crée un compte Activision obligatoirement, sinon je ne peux pas jouer au jeu. Le souci, c'est que si on dit un compte Activision, c'est qu'il y a un problème peut-être collection en ligne. Ça sent le multi. Ça sent le multi. Franchement, je découvre en même temps que vous. Enfin, en même temps que vous. Peut-être que certains le savent. Moi, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Donc, ça va peut-être vous faire rire que je dise que je ne suis pas au courant. Mais voilà, on n'a pas le choix. On est obligé de créer un compte. Allez, on va commencer. Bon, encore une coupure, je suis désolé, c'est infernal. Franchement, heureusement que c'est une bêta, parce que ça justifie le fait que ce soit un peu compliqué. La bêta multijoueur se termine dans 6 heures, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Call of Duty, jouer maintenant. Oh, c'est rigolo ça. Il y a tous les jeux en fait. Oh, c'est bien foutu. C'est bien foutu pour ceux qui. Voilà. Bon, allez. On va voir une partie rapide. Oh, c'est joli. Franchement, c'est super beau. C'est très très beau par contre. Ouais, rien à dire. Sur ce point de vue-là, c'est très très très... Alors, découvrir une sélection prédéfinie de mode de carte. Travailler en équipe pour éliminer les joueurs de l'équipe adverse. 8 escouades, oh, évidemment, donc c'est bien ce que je vous avais dit. Hein. C'est un mode online avec, a priori, du Battle Royale ou le principe d'élimination, quoi. Voilà. Alors, on va voir, tac, tac. Bon, la vidéo sera sûrement pas très longue parce que vous savez que je suis pas un grand grand fan. Mais quand même, on joue le jeu. Partie rapide. Recherche des parties en cours. Je suis pas un grand grand fan, vous le savez. Le problème, c'est que je vais commencer la partie sans connaître les nuances et les notions de gameplay. Putain, mais c'est super beau. C'est... Waouh, c'est tout con, hein. On voit juste un mec marcher, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est... Putain, c'est très très beau. On prend ça, ouais. Tous muets, oui, R3, bien évidemment, R3. Donc on va jouer là, donc je vais très certainement me faire dézinguer dès le premier combat, il y a de grandes chances puisque je ne suis pas forcément très très fort à ce genre de jeu. Ça, rigolez pas, je vais me faire crever, hein. Il y a de grandes chances. Ça va pas durer 3 heures, hein. L'objectif c'est de voir un peu ce que ça donne visuellement en termes de gameplay, etc. Début de la partie dans 8 secondes, 7 secondes.
Ouais, faut que je choisisse. Ouais, je prends ça. Encerclez l'objectif et détruisez-le. Essayez d'éviter de vous faire tuer. Bien évidemment. Avec la bombe. Bon, ça reste toujours assez basique. 7 contre 7 pour le moment. Il y a une cible à 70 mètres. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant que je commence à jouer à certains FPS, le principe de gameplay reste toujours le même, avec le rond pour appuyer, la croix pour sauter. Ça reste très très basique. Oh putain, je me suis fait, j'ai failli mourir, mais alors d'une manière sauvage. Bon, je suis pas du tout un adepte de ce genre de jeu et de concept de shoot dans lequel tu te retrouves à devoir éliminer un adversaire ou un truc comme ça, le Battle Royale, ou je sais pas si c'est le bon terme dans ce genre de cas, mais. Oh, il m'a tiré dans le dos, salopio! Oh, il m'a tiré dans le dos, c'est pas joli. Comment on fait pour revenir? Ah, je suis spectateur, mais je croyais que c'était moi, je dis putain, je suis fort, je fais des trucs stylés. Est-ce que je peux rejouer ou pas? Chargement. Je peux plus jouer? Ben, retour à la partie. Ah, une fois que tu es mort quoi, tu peux plus jouer. On pose la bombe. La bombe est armée. Bah j'en profite pour regarder, parce que moi franchement je maîtrise pas du tout. Bon, par contre c'est clair que c'est super super dynamique, c'est ça bouge dans tous les sens, c'est super dynamique. Après voilà, visuellement c'est très beau, hein. Enfin c'est très beau. C'est propre, y'a rien à dire. Exactement. C'est super propre. Il a crevé quand. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan parce que voilà, le côté FPS, le côté Battle Royale, je. Cette fois, vous affrontez pas des chiffres molles. On contrôle la bombe. Je vais suivre Michel parce que Michel a l'air de savoir où il faut aller. Nous échapper. Mais je suis pas du bon côté. Je suis pas du bon côté. Quel couillon. Je sais pas comment on fait pour casser le truc. Ah mais il est mort. Non, il y a pas un mec qui est mort là. Ah merde. Il y a un mec qui est mort à l'étage. Il y a beaucoup. Il en reste beaucoup quand même, hein. Il en reste beaucoup. La bombe, elle est où? C'est chiant parce que la bombe, elle est par là, mais... Ah, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai, la bombe? On a la bombe. Yo. Pose la bombe sur le site ennemi. Ok. Bon, ben on va poser la bombe sur le site ennemi, alors. Ah, je suis tout seul. Ah, je suis seul, carrément, là. C'est-à-dire que je vais mourir comme un cochon, quoi. Voilà. Je suis mort comme un petit cochon. C'est. Le problème, c'est ça, c'est l'expérience. L'expérience de ce type. Prends la bombe, Michel, prends la bombe. C'est tendu, je sens que c'est tendu, comme un string. Alors. Non, c'est pas là. L'entrée est où? Il n'y a pas d'entrée là? Mais il n'y a pas d'entrée. Allez, on va continuer. Hop, une entrée là. Wow, putain! Oh, il m'a crevé. Hein. Il m'a crevé, Michel. Bon, je suis nul. Hein. Je suis nul, archi nul, mais bon. Voilà.
Je suis pas fan, mais comme j'ai dit, j'essaie de jouer le jeu sur tous les types de contenus différents, même les jeux que je n'aime pas. Ça reste le principe de la chaîne. C'est évidemment, je vais vous proposer des jeux que j'aime beaucoup, mais même si les jeux que j'aime pas, si je sais que c'est des jeux qui, par définition, sont des jeux qui peuvent vous intéresser, je vous les présenterai. Voilà, je suis pas fan, mais bon, l'avantage c'est que ça permet de. Ah, le mec il a tout compris. Il s'est mis en mode sniper, le coquin. Tranquille. Ravitaillement reçu. Oh, il est bien là. Hein. On va changer de. Activation de la bombe en cours. Je déploie un Goliath. Ah putain, les cibles! Ah, c'est les cibles, c'est les bombes en Contre-conflit. fait. Je crois que ces cibles, c'est tes ennemis, moi. On va changer de viewer. On peut changer de viewer ou pas? Ah, le mec il s'est fait tuer par son propre robot, quoi. Sans deck. Combien il reste? Bah, plus beaucoup. 3, 2, il n'en reste plus qu'un. Reste plus grand chose, hein. Tu sens le gars quand même qui maîtrise bien le. Qui maîtrise bien le concept, parce que moi, franchement, je suis à la rue sur ce genre de. Gagner cette bataille, mais la guerre est pas encore finie. Je sais pas à combien ça va. À combien ça va les parties ici? Il faut aller à 30, 40, 25, 12. Aucune idée. Égalité, changement de côté. Balle neuve. Ah, je deviens. Protéger l'objectif. Il y aura les vainqueurs et les vainqueurs. Ah, là, c'est protéger l'objectif, c'est pas la même chose. Là, le but c'est pas de les dézinguer, c'est de protéger l'objectif. Attendez. Attends. Oui, tuez-vous, tuez-vous, tuez-vous. Moi je suis opportuniste, je profite des situations, je me débarrasse des méchants. Ah non, c'est un copain ça. Pardon. C'est un copain. Pardon, ça va, tu es un copain? Compris, tu es un copain. Oh mais merde, il m'a tué dans le dos en plus. C'est lâche. Ah mais il s'en est fait deux d'un coup, Michel. Balèze. Et un coup de grenade en plus. Ok. Bon, vous avez vu, je suis une buse. Je suis mauvais, nul, nul, nul. Ah, je suis nul à ce genre de jeu. Bon, avantage c'est que les parties sont plutôt vives, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas, t'as pas le temps de t'ennuyer, hein. Tu as clairement pou 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 pou, ça va dans tous les sens. Ouais, mais si tu es tout seul, tu te sens pas un peu seul là, tu as pas envie de faire autre chose que de rester derrière ta. Il se passe rien là, Michel. Bon, il reste 30 secondes. Recoupez-vous, on les aura la prochaine fois. Bah ouais, tu penses, tu t'es mis caché, faut pas se cacher. Hein. Le mec il fait que ça depuis le début, il se cache. Les mecs, comment ils font pour être aussi. Alors je sais pas si c'est crossplay, par contre j'ai cru voir sur cette partie-là qu'on était tous sur PlayStation 5. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. Ennemis en mouvement avec la bombe. Il faut que je défende ce point, ok. Donc il n'y a que des bleus là. Est-ce que les bleus ce sont mes copains? Je pense que oui. C'est extrêmement flippant. Hein. Je regarde sur la map en fait. Je cherche les points rouges qui sont censés être mes ennemis. Mais je n'en vois pas. Où sont-ils? Ah oui, d'accord, c'est au meilleur des 6 manches. D'accord. Je pense que je vais pas aller jusqu'au 6 manches parce que ça peut être très très long. En fait, pour tout dire, je sais pas du tout où je suis. Hein, il en reste plus qu'un. Mais vous les avez trouvés où les gens? Je les vois pas apparaître sur la map. Oh, il doit se sentir seul, le gars.
Finissez-en, le temps presse. Bah, je veux bien, mais... Je suis là, je protège de ma vie. Parce que moi, j'ai pas peur. Ah, il faut désamorcer. Il y a un truc à désamorcer, vite, c'est où la sortie? Désamorcer. Désamorçage de la bombe en cours. Bombe désactivée. Cool. Bien joué. Et pas le temps de se reposer. Vous avez encore du travail. Bon. On ira jusqu'au meilleur, de notre côté, on ira jusqu'au meilleur des 4 manches parce que sinon ça va être très très long et j'ai pas forcément envie de vous saouler avec ça. Ou alors ce qu'il y aura, ce que je couperai une fois qu'on sera arrivé aux 6 manches. Protégez l'objectif. J'espère que vous êtes prêts à en découdre. L'ennemi à la bombe. Super, félicitations à eux. Ce qui m'embête, moi, c'est que je les vois même pas sur la map. Michel, grenade! C'est un joli nom de famille, grenade. Michel, grenade. Mais bouge! Pourquoi il bougeait pas, ce couillon? Tu vois, alors par contre, ça c'est mal foutu parce que tu les vois pas sur la cam. Sur la map, pardon, je les vois pas sur la map, donc je sais pas où ils sont. Alors les copains, on va couper et je vous ramènerai quand on sera sur la dernière manche potentiellement et on verra ce que ça donnera. Allez les amis, on revient potentiellement à la dernière manche puisqu'on est mené 5 manches à 4. Donc on va vite être fixé. Est-ce que ce sera la dernière manche ou pas? Oh, ben, on va vite voir. Hein. Le problème c'est ça, c'est que sur la map tu sais pas où ils sont. Tu les découvres en fait les ennemis. En fait il faut se mettre à un endroit et la protéger en fait la bombe. Oh mais non, eh oh. Putain, mais j'ai même pas le temps de m'ouvrir. Comment ils savent que je suis là? Comment j'arrive? Alors je suis nul, je sais, mais comment ça se fait que j'arrive pas à les voir? J'ai l'impression qu'ils me voient, ils sont omniscients quoi. J'ai l'impression qu'eux me voient et que moi j'arrive pas à les voir. C'est un truc de fou. Bon bref, c'est pas grave. Dernière manche potentiellement, donc on est mené 5-4, donc je les ai pas beaucoup aidés mes copains. Mais c'est pas grave. L'objectif évidemment c'est de continuer à regarder un peu. Hein. Ok, 2-4, donc il y a quand même de grosses chances que ça se termine là. 1-4, on va très certainement perdre la partie définitivement. Alors j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas d'autres niveaux visuellement, d'autres environnements, parce que s'il n'y a que ça. C'est extrêmement dommage si c'est le cas qu'il n'y ait pas de mode offline, de mode solo, campagne solo. C'est bon, c'est terminé, on a perdu. Mais évidemment, ce que je vous présente là, c'est la bêta. Aujourd'hui sort le jeu définitif, donc peut-être qu'il sera un petit peu différent. Ça m'étonnerait. Oh là, je suis dernier, je suis nul. Je suis mort 9 fois. Je suis mort 9 fois, je suis une buse. Bon les amis, on va se quitter là-dessus. Bon évidemment, vous avez compris que ce n'est pas ma tasse de thé, que j'ai horreur de ce genre de jeu. Alors, c'est pas spécifiquement... le côté FPS et le côté Battle Royale, parce que là c'est clairement un Battle Royale, donc je n'aime pas du tout ça. Voilà, j'aime pas le côté il faut être le dernier survivant, je suis pas fan du tout. Mais je sais qu'il y a de gros adeptes, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Par contre, moi de mon point de vue, visuellement c'est très propre, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Mais pour le reste, voilà, je suis pas un grand fan, mais vous l'avez compris, je vais pas le répéter 107 fois. Bon les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite découverte. J'en profite pour souhaiter encore une fois un très très joyeux anniversaire à Xplicit. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.